Alors shalom, je suis le prophète Joël Crasso avec le pasteur Nani de l'église. Voilà, nous sommes juste à l'église Pentecôte, voilà, notre lieu de culte actuel ici à ce qu'on appelle la Vitry-Sicène. Voilà, Vitry-Sicène en ce jour du vendredi 29 mai 2020. Voilà, il est pratiquement 18h. Nous sommes là justement pour les préparatifs parce que ce dimanche-là, nous reprenons nos cultes, mais avec les mesures, parce que tout a changé. Voilà, tout a changé. Voilà, donc nous sommes en train de préparer depuis la semaine dernière, aujourd'hui, ce week-end-là. Et c'est la phase finale, oui, aujourd'hui. Et dimanche, nous aurons le culte. Et le dimanche, je vous annonce que le dimanche, à partir de 14h, à partir de 14h30 déjà, nous allons démarrer le culte ici et jusqu'à 18h. Voilà, jusqu'à 18h. Tout le monde est invité. L'adresse est 64 avenue du Gros Manochouan. 94 400 Vitry-Sicène. Je reprends. 64 avenue du Gros Manochouan, 94 400 Vitry-Sicène. Alors, je laisse le pasteur Anani nous expliquer les mesures et tout ça. Oui, justement, c'est le dernier préparatif. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi 29 mai. Donc, le 31, nous aurons notre première reprise à partir de 14h. Comme vous le voyez dans la salle, et toutes les chaises sont espacées de 1 mètre. Et nous aurons des liquides alcooliques à l'entrée pour que chaque élément qui entre, il prend, il lave les mains. Et les éléments vont venir avec leur masque. Tous les fidèles. Hein, tous les fidèles hein, qui viennent. Et tous ceux qui viennent participer au culte doivent venir avec leur masque. Voilà, c'est ça. Moi, mon masque. Si c'est, dit-on, selon les mesures de sécurité, mais d'hygiène, quand c'est en tissu, c'est plus sécurisé, c'est plus hygiénique que les jetables. Voilà. Donc, j'ai tout dit, voilà. Jésus-Christ est avec nous, c'est lui qui nous conduit par le Saint-Esprit pour la reprise, c'est son œuvre, c'est l'Église de Jésus-Christ et le premier responsable, celui qui est le canal par lequel Jésus-Christ dirige son Église, c'est le prophète Joël Crasso. Alors, comme le pasteur vient de le dire, voilà, répétition pédagogique, donc c'est, nous venons avec des masques. Voilà, parce que les choses ont changé. Il faut respecter l'État, il faut respecter les mesures, c'est la loi ici en France. Voilà, il faut respecter les distances pour dire que les choses seront pas comme en banc où on vient, on fait ce qu'on veut. Voilà, il faut venir avec forcément le masque et à la porte déjà il aura qu'on appelle le gel alcoolique. Voilà, qu'on aura laver les mains. Et apparemment, pendant le culte, nous allons passer aussi pour laver les mains. Voilà, donc c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'on soit un jour rassuré que le virus n'est plus parmi nous. Et donc, c'est une loi, voilà, qui est imposée à des lieux de culte. Donc, à dimanche, ce dimanche-là, 31, la reprise des activités, tous ceux qui viendront pour participer à ce culte, portez les masques, 00337 55 30 87 48, shalom, soyez bénis.